sur les harmonies de l'amour. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie de mes pépites un peu plus anciennes dans ma cartothèque. Alors, on va commencer directement avec La magie de la terre de Stephen D. Farmer, donc qui est aux éditions Exergue. Je pense qu'il a été réimprimé, d'après ce que j'ai entendu dire. Il date de... on va voir ça tout de suite, si je le retrouve. Donc 2013 pour la traduction française. Donc on a un petit livre d'accompagnement déjà assez épais, il est petit, mais il est assez épais, avec une texture comme sur les cartes. C'est un petit peu c'est un peu ce qu'on appelle un peu lié, là, ligné, linen en anglais. Et donc il est très bien fait. Bon, on a des méthodes de tirage au début. On a quelques méthodes de tirage qui sont pas mal. Et puis on a la signification des cartes. Et c'est un jeu qui est vraiment intéressant parce que, vous voyez, il y a déjà dans le livre d'accompagnement, c'est déjà assez conséquent ce qu'on a pour une carte. On a un mot-clé, on a le titre de la carte, on a un mot-clé. On a vraiment la description de la carte et après, on a vraiment un message plus spirituel. Et c'est vraiment, il est vraiment bien fait, je trouve. Et puis, il a des cartes qui abordent un petit peu des sujets qu'on ne trouve pas dans tous les oracles, je trouve. Donc, voici le dos. Et puis, je vous dis, j'aime vraiment bien la texture. Ça en fait un jeu assez résistant. Voilà. Et donc, je vous montre les cartes. Donc, tout en lien, évidemment, avec la terre, la nature, les saisons, bien sûr. Hein. Donc, les animaux, enfin, vraiment, c'est la magie de la terre, quoi. Regardez sa synergie. Elles sont très belles, en plus, je trouve. Je sais qu'il y en a quelques-unes. Bon, celle-là, je la trouve très, très belle. Je sais qu'il y en a quelques-unes où, par exemple, celle-là, je la trouve très, très, très jolie. Celle-là aussi. Je sais qu'il y en avait une autre à laquelle je pensais. Ah oui, celle-ci, par exemple. C'est très nature, c'est très... C'est un jeu qui peut nous reconnecter à la nature, vraiment nous réancrer et en même temps nous apporter beaucoup de sérénité, je trouve. C'est vraiment un jeu qui peut nous apporter pas mal de sérénité. Alors, un autre, dans un autre genre, un jeu de... Colette Baron Reed, qui est la sagesse des royaumes cachés. Donc, c'est un de ses plus anciens oracles. Et donc, on a aussi le même genre de petit livre, hein, petit mais épais. Et avec Colette, vous avez toujours aussi beaucoup d'explications. Vous avez le titre de la carte, des mots-clés, et puis vous avez la description. Et vous avez encore une signification qu'elle appelle rival et donc qui correspondrait à une signification inversée ou une signification en position d'obstacle. Il y a aussi une introduction avec comment utiliser les cartes. Il n'y a pas de problème, elle explique bien tout, comment faire une lecture. Voilà, donc il y a tout. C'est suffisamment complet. Il y a même un exemple de lecture au niveau du tirage.
pour expliquer comment interpréter les cartes. Et puis, au sujet de l'auteur. Et au sujet de... non, je ne sais même pas. Non, il n'y a même pas. C'est toujours Jenna Della Grottaglia qui a illustré. Mais il n'y a pas dans le petit livret. Alors, voici le genre de cartes. Donc, je les aime bien parce que ce sont des oracles qui sont plus profonds qu'ils n'en donnent l'impression. Vous avez plusieurs mots-clés. Donc, ça peut être pas mal pour des lectures relativement rapides, mais néanmoins pertinentes. Et vous avez encore tout le développement dans le petit livret. Soit si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, soit si vous voulez aller plus loin. Bien sûr, ça dépend du genre de questionnement que vous avez. Et voilà, je tombe sur cette carte-là. Et comme je vous l'ai dit récemment, si j'ai déjà posté la vidéo, mais je pense, vu qu'il y a un personnage qui joue de la flûte traversière, de toute façon, il me fallait ce jeu dans ma collection. Voilà, et on a une belle carte du phénix. Ensuite, je vais essayer de varier un peu pour pas que ce soit lassant. Je ne vais pas non plus perdre du temps à remettre les cartes. Un petit tarot, un mini tarot. Le Sun and Moon Tarot, donc chez US Game. Donc, ce sont les petits jeux dans les petites boîtes métalliques. J'en ai quelques-uns. Enfin, j'en ai deux, je pense. Et je les aime bien tous les deux. Et donc, voici le genre de carte. Je l'aime bien. En plus, il a été créé par une personne qui est, je pense, elle est belge à l'origine. En tout cas, elle a fait ses études à Bruxelles. Et puis, elle est partie aux États-Unis. Et rien que ça, ça me fait un lien avec ce jeu. Et puis, je l'aime bien. Il est particulier. J'aime bien ses coloris. C'est un jeu que j'aime bien ressortir aussi en été, même si toutes les suites ne font pas été. Mais bon, la suite des coupes, notamment, fait très été. Voilà, c'est un petit jeu que j'aime bien et qu'on ne voit plus très souvent passer. Et je trouve qu'il est, il est chouette. Voilà, et si je me souviens bien, celui-là, je voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'il est plus sur le modèle Tote. Je l'ai pas... Je l'ai déjà utilisé, mais sans le mettre en lien avec le Tote. Et je n'ai pas encore eu le temps de me mettre sérieusement à creuser le Tote. Alors, un autre tarot. Le Tarot of the She d'Emily Carding. Et celui-là, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment un jeu magnifique. Les coloris sont magnifiques. Bon, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, hein. Mais moi, je trouve déjà les coloris sont magnifiques. Et puis, bon, il a une structure un petit peu bien à lui, mais il est truffé de détails. Encore une fois, c'est un jeu qui est truffé de détails sur les illustrations et où vous pouvez avoir du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles qui peuvent répondre à vos questionnements. Mais vraiment, et vous donner des indications. Qu'un autre jeu plus traditionnel ne pourra pas vous donner, on va dire. Et donc, je l'aime beaucoup, mais c'est un jeu un peu à creuser et je le sors rarement pour des petits tirages rapides, on va dire. Parce que c'est un jeu que j'utilise vraiment pour un travail beaucoup plus en profondeur. Mais j'adore, regardez-moi, cette carte, comme elle est jolie, elle est colorée. Je le trouve magnifique. Je l'avais découvert sur la chaîne de Miss Florence, celui-là. Donc, si jamais tu passes par là, Florence,
Je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai cette pépite dans ma collection. Ensuite, un autre jeu. On va revenir à un oracle. Mais qui n'est pas sans avoir des liens avec le tarot. Vous allez voir. Qui est le Lumière, l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Alors, j'en ai quelques-uns d'elle. Je crois que j'en ai 3. Et réellement, c'est son premier, mais c'est mon préféré. Alors, déjà, je le trouve superbe. Bon, c'est les petites boîtes qui sont quand même bien faites de chez Arcana Sacra, hein, dans les premiers jeux qu'ils ont sortis. Donc, avec le petit livret qui est extrêmement bien fait. Très concis, mais très bien fait. Vous avez même les cartes en couleur. Et donc, voici le dos. Bon, bah, la qualité est très bonne. Et puis, alors, en fait, ce jeu... au début que je l'ai eu, je ne l'ai pas eu quand il est sorti, j'ai eu un peu plus tard, mais quand je l'ai eu entre les mains, j'ai fait quelques tirages avec et il m'a paru d'une puissance parce que regardez, il y a vraiment des rapports au tarot. Vous avez le 16 là, avec l'arbre immortel, mais vous voyez bien que l'arbre, il est frappé par la foudre, tout comme la tour du tarot. Vous avez ici la 7, la confiance dirigée. Donc, on peut vraiment mettre en lien avec le chariot. Vous avez la 5, ici, la sagesse de l'if, que l'on peut vraiment, avec les mots-clés guidants, savoir, qu'on peut vraiment mettre en lien avec le hiérophante ou le pape. Bon, je ne vais pas tout vous les donner, hein, mais c'est clair que les 22 premières cartes sont en lien, regardez la 18, c'est la lune, sont en lien avec les archétypes du tarot. Ça, c'est ma carte préférée du jeu. Je la trouve mais splendide, vraiment. Et pour tout vous dire, c'est quand j'ai testé ce jeu, j'ai fait le même tirage avec ce jeu et avec un tarot, pour vraiment tester. Et franchement, il m'a donné les mêmes réponses, si vous voulez. Avec d'autres cartes, c'est pas ça. Mais c'était aussi puissant qu'avec le tarot. Et donc ce jeu... je le trouve vraiment mais merveilleux. Et je crois que j'ai dit une bêtise parce que c'est les 21 cartes qui correspondent aux archétypes du tarot parce qu'on n'a pas l'archétype du fou, je pense. On a le 1 avec le goupil, mais voyez, action, énergie, volonté, ça correspond au magicien. Donc, voilà. L'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais s'il l'est et qu'il vous intéresse, prenez-le parce que je la suis un petit peu, Antoinette. Bon, pas assidûment, mais je la suis quand même un petit peu. Et si j'ai bien compris, elle ne va pas reconduire ses contrats avec Arcana Sacra. Donc, je ne sais pas ce que cet oracle va devenir. Donc, si vous avez l'occasion, s'il vous plaît, ne tardez pas avant de devoir le payer 300 euros. Alors, l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Je trouve aussi que c'est une véritable pépite. Donc, moi, j'ai la première édition dans la boîte cartonnée avec le petit livret en noir et blanc. Voilà. Donc, il s'abîme évidemment dans la boîte comme ça, mais bon... C'est pas très très grave. Et alors, pourquoi est-ce que je trouve que c'est une pépite, celui-ci? Parce que d'une part, bah, les illustrations, c'est les illustrations de Célia. Donc, c'est magnifique. Et puis, parce que cette idée d'avoir fait un petit haïku comme signification de la carte ouvre tellement, tellement, tellement l'interprétation. Ça peut être
tellement riche de sens, mais riche de sens au pluriel, riche de sens aussi au niveau profondeur de sens, mais aussi au niveau multiplicité de sens. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et puis, bah, les illustrations sont magnifiques, je trouve. Et voilà. Et le principe du haïku, il fallait quand même y penser et le faire. Et franchement, c'est, par exemple, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Il y a tellement de choses. Parce que dans le haïku, chaque mot compte. Vous voyez, il y a vraiment il y a des tas de petites nuances qu'on peut donner et aussi selon son histoire personnelle, évidemment. Et donc, celui-là, je le trouve vraiment, mais vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment, pour moi, c'est une pépite. Ça reste quelque chose... qui n'a pas été refait et qui pour moi n'a pas été égalé. Parce que il a son originalité, il a son style et qu'il a été extrêmement bien fait. Ensuite, celui-là, l'oracle de la Wicca. Donc chez Los Carabeos, je trouve qu'il est vraiment chouette. Donc, on a aussi le petit livret d'accompagnement multilingue. Hein. Je ne sais pas s'il est ressorti tout en français, celui-là. Mais bon, vous avez le français. Hein. Voilà, ici. Donc, ça a été traduit par Sybille Payenne. Et il est vraiment intéressant. Donc, vous avez le petit message et vous avez la carte renversée. Vous avez pour certaines cartes, non, pour toutes les cartes, vous avez l'affirmation et le défi. Donc, c'est très concis. Mais c'est bien fait. Vous avez quand même beaucoup. Et vous savez que c'est un de ceux que je ressors très régulièrement pour mon vlog du mois parce que on y retrouve justement des symboliques en lien avec notamment les mois, puis la nature, les saisons. Voilà, les cycles de la nature. Donc, moi, j'ai cette version-là avec de l'argenté pailleté sur les cartes. Il y en a qui n'aiment pas, je sais. Parce qu'il existe une ancienne version où il n'y avait pas ça. Et où le contour des cartes est différent, je pense. Mais bon, celle-là, on la trouve plus facilement. Et quand on la trouve, elle est chère. Bien, sait-on jamais, si ça vous plaît et que vous la trouvez, ce serait bien. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà, donc je crois que je vais me contenter de garder celle-ci. Elle me plaît bien. Finalement, les paillettes, ça ne me dérange pas. J'ai pas trop de... Voilà, carte d'Ostara. J'ai pas trop de jeux avec des paillettes, donc ça me plaît bien. Bon, après, le mien, il est quand même déjà pas mal abîmé. Vous voyez les tranches, là. Mais bon, je l'avais acheté d'occasion. On y avait déjà servi. Et voilà. Et le dos, je le trouve joli. J'aime bien dans ces tons-là. Ensuite, j'avance un peu. Un deuxième petit tarot en boîte métallique, c'est le White Sage Tarot de Teresa Hutch. J'ai vu qu'elle avait fait un oracle aussi et qui me plaît beaucoup. Je pense qu'un jour, je vais l'acheter. Alors, c'est chouette parce que on a ici les cartes des chakra, et donc elle donne des petites indications sur les chakras, notamment les mantras, et puis les couleurs, les significations. Voilà, puis on a le petit, guidebook, du coup, puisque c'est en anglais. Donc là, on peut dire guidebook. Voilà, vous avez... Alors, c'est plutôt un genre pipe deck. Donc, où les mineurs ne sont pas tout à fait illustrés. Et ce sont évidemment des petites cartes, hein, ce sont des mini-tarots. Mais j'aime beaucoup les couleurs de ce tarot. Je le trouve intéressant. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait... Il y a quand même un peu une mise en scène. Par exemple, vous voyez, les deux épées, elles sont croisées, elles sont attachées. Vous avez la lune. Voilà. Ici, les pentacles, ils sont reliés entre eux.
Donc, on peut retrouver quand même des idées. Le 7 de pentacle, regardez, c'est sous forme d'arbre. Donc, c'est un pipe deck, mais il y a quand même des symboliques qui sont, on va dire, qui donnent des indices sur la façon d'interpréter les cartes. Voilà. Puis j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les coloris de ce jeu. Je l'ai vraiment acheté pour les coloris et pour la suite des coupes qui sont des tasses pour le coup. Des tasses à café, des mugs. Et donc, comme je suis fan de café, même s'il n'y a pas du café peut-être dans toutes les tasses ici, mais bon, peu importe, ça m'avait vraiment bien plu en fait. Et surtout, les personnages aussi de la série des coupes ont chacun leur, fatalement, leur mug en main. C'est logique. Regardez, voilà. Donc, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très, très, très bien fait. Et je trouve que c'est une petite pépite avec un dos comme ceci qui, finalement, qui est sympa. Qui ne mange pas de pain, mais qui est sympa. Alors, un autre jeu qu'on ne voit presque pas, et je pense que pourtant il est encore disponible, c'est l'Oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Alors, bien sûr, il n'y a pas énormément de cartes. Donc, il est chez FJP. Il a été illustré par Marie-France Sala. Donc, on a le petit livret. Hein. Donc, on a le comportement affectif, on a les difficulté à surmonter et on a chaque fois un petit conseil. On a des potentialités et on a aussi vraiment la rubrique réponse. Donc il est assez complet. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a que 28 cartes. Donc voilà. C'est pas un gros oracle. Par contre, il a la taille oracle. Je trouve que le dos est très joli et j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations donc de Marie-France Sala. Je les trouve jolies. J'aime beaucoup les coloris qui sont des coloris très, très doux. Mais maintenant, par contre, je le trouve un peu trop peu complet. Voilà, je trouve qu'il manque des cartes. Donc, dans les tirages, parfois, on sent quelque part qu'il manque des cartes parce qu'on n'a pas toujours une réponse complète, en fait. Voilà, c'est un peu dommage. C'est le reproche que je lui fais. Mais, de par ses illustrations et de son petit livre, je trouve qu'il a sa place dans les anciennes pépites. Alors, encore deux pour cette séance-ci, je vais dire. La réponse est simple de Sonia Choquette, qui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'ai son autre jeu, mais je ne voulais pas montrer parce que, demandez à vos guides, il y a beaucoup de personnes qui l'adorent. Et moi, ben, je ne m'y fais pas. Bon, je l'ai gardé, mais je ne m'y fais pas. Je le trouve moins bien fait que celui-ci. Donc, vous avez le petit livret, encore une fois, petit mais épais, avec la carte en noir et blanc. Et puis, vous avez donc le titre de la carte et vous avez toute la description, des questions à se poser. Voilà. Vous avez demandez-vous, donc vous avez chaque fois des questions. Voilà. Là, c'est pas demandez-vous, mais vous avez quand même des tas de questions. Donc, voilà. Ici, voilà. Donc, je trouve qu'il est bien fait. J'aime beaucoup. Il est très printanier. Il faudrait peut-être que je me ressorte, d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment que je n'ai plus utilisé. Donc, regardez, le dos est très printanier. On a les tranches dorées. Donc, il est chez Exergue. Il doit être toujours disponible, lui. Je trouve que les dessins sont très, très colorés. Et je trouve qu'il est, plus universel que celui demandé à vos guides. Moi, ce qui m'embête dans celui demandé à vos guides, ce que je n'aime pas,
c'est qu'elle a fait des familles de guides et que je trouve que ça restreint très très fort sa limite. Moi, j'aime pas. Franchement, pourtant, j'ai rien contre les anges, les guides, hein, vous le savez très bien. Hein. Mais là, avec les catégories qu'elle a faites, je n'aime pas. Je préfère de très, très, très loin celui-ci. Voilà. Pourtant, je vous dis, hein, j'ai aucun problème avec les guides. J'en ai plein d'autres, des jeux, avec des guides, des anges et tout. J'ai zéro problème avec ça, mais dans son jeu, ça passe pas. Je n'aime pas les catégories qu'elle a faites. Je trouve ça trop enfermant, trop limitant. Et vu que c'est écrit sur les cartes, c'est un peu difficile de s'en défaire, en fait. Et je préfère vraiment celui-ci. Je le trouve plus coloré, je le trouve plus joli, plus attirant. Enfin, voilà. Je trouve que celui-ci, c'est vraiment une pépite. Et l'autre, mais après, ce n'est que des goûts personnels. C'est pour ça que c'est bien de le faire. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire cette réponse à Angelica Witch pour justement montrer des choses qui sont un peu différentes. Parce que c'est pour qu'on montre les mêmes, bon, c'est pas la peine. Après, on va peut-être en avoir en commun. Hein. Mais voilà. Et puis, la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reed, toujours pour terminer. Même chose, un petit livre, mais assez épais. Bon, ben, comme toujours, avec Colette, c'est bien fait. Vous avez l'introduction. Vous avez de nouveau comment se servir des cartes. Vous avez un exemple de tirage avec vraiment une lecture. Et puis, vous avez les messages des cartes. Donc, il est sur Avalon, celui-là. Et comme toujours, vous avez le titre de la carte. Vous avez plusieurs mots-clés. Ensuite, vous avez vraiment l'explication. Le rapport à la légende, et puis vous avez vraiment toutes les explications et donc un message détaillé. Et puis, ben, à la fin, je suppose qu'on a au sujet de l'auteur, mais c'était vraiment dans ces oracles-là. Ouais, je ne vous ai pas donné la date de tous les oracles, mais ils sont tous plus anciens. Donc, celui-ci, il date de... de 2012 pour la traduction française. Donc, vous voyez, il a 11 ans. Et voilà, les illustrations, c'est de Gary Ann Lippincott et Denise Garner, apparemment. Et donc, voici le dos, qui est très joli, avec le Graal, comme ça. La coupe du Graal, la nuit étoilée, la lune, c'est joli. Et voici le genre de carte. Donc voilà, il est sur le thème d'Avalon. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve qu'il est bien fait. Ce sont des jeux, on sent que ce sont des jeux qui ont été bien pensés. Vous voyez, c'est pas des jeux qui ont été faits comme ça, qui ont été bâclés. Je trouve que ce sont des jeux, on voit que les personnes qui ont créé ces jeux ont pratiqué la cartomancie pendant longtemps, je pense, avant de créer leur jeu. On sent ça. On sent que ça a été bien pensé, c'est structuré. Après, c'est pas toujours indispensable la structure, ça dépend quel genre de jeu on peut créer. Mais... voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose derrière. C'est pas juste un jeu pour faire un jeu. Il y a vraiment quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de plus, en fait, en se servant de ce jeu. Donc, la sagesse d'Avalon ou d'Avalon de Colette Baron-Reed. Voilà pour cette nouvelle présentation de quelques pépites plus anciennes de ma cartothèque. Et il y en aura encore d'autres. Je suis loin d'avoir fait le tour de ma cartothèque. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu, si mon contenu vous plaît, si ça vous a plu et que mon contenu en général vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.